est désormais bien établie. Les venues de Chantal Guérin au Niger sont des moments de fête dans la Sirba. Lors de son précédent passage en novembre dernier, la directrice générale de la Fondation Semafo a visité le chantier des classes de l'école franco-arabe de Boulkaou. Moins de 2 mois plus tard, elle revient sur ses pas pour cette fois inaugurer le bloc de 2 salles de classe et des latrines. La Fondation Semafo est très heureuse de participer donc au développement des objectifs du millénaire et aux actions du Niger pour justement améliorer l'éducation avec la construction de cette classe en matériaux définitifs. Et tout ça pour le bien-être des élèves et des enseignants. Merci. Merci, madame la directrice générale. Oui, c'est le... Les élèves bénéficiaires sont soulagés et ils ne s'en cachent pas. Entre lecture du noble Coran et les hadiths du messager, ils démontrent que la fondation Semafo ne s'est pas trompée à les aidant. An yu'amala zumala'ahu mu'amalatan hasanatan. La yu'muna ahadukum hatta yuhubba liyakihi ma yuhubba li nafsi. Le chef de Boulkaou salue la fondation Semafo et l'invite à persévérer dans sa bienfaisance. Le ministère nigérien de l'éducation également ne s'est pas fait raconter l'événement. Le directeur national des infrastructures et équipements scolaires a fait le déplacement de Boulkaou. Cela rentre dans la droite ligne de ce que les autorités du pays, quant à la construction de 2500 classes par an, pour améliorer la qualité de l'école. Donc ce joyau que Semafo a offert à l'école, nous en remercions. À tous, Chantal Guérin répond, c'est avec plaisir que la Fondation soutient l'école nigérienne. Quand je regarde cet établissement scolaire, je crois que nous avons atteint nos objectifs. C'est le sentiment du devoir accompli qui anime la Fondation. Celui d'avoir contribué à l'atteinte des objectifs contenus dans les politiques et programmes des pays intégrés sur les OMD par la facilité d'accès aux services sociaux de base, en particulier l'éducation primaire. Venir du lointain Canada pour construire et inaugurer des salles de classe, il faut vraiment être un ami du Niger pour le faire. Et c'est exactement ce que Chantal Guérin a réalisé au nom de la Fondation Semafo.